Attendez tous là. Ah, merci. Vous me soulagez parce que je sors d'une autre intervention et on me dit que je ne parlais pas assez fort. Ça m'a traumatisé quand même, assez violemment. J'ai été outragé, je dois vous l'avouer. Non, j'exagère. Bon. Ah. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, bienvenue à la session bibliothécaire et entrepreneur en devenir. Donc, la session, en fait, pour la contextualiser, c'est parler aussi d'un phénomène qui se trouve en France, un phénomène générationnel, peut-être, le besoin d'entreprendre, le désir, en fait, de faire autrement, voilà, d'exprimer sa créativité sans contrainte, en fait, car la France comptait près de 6 000, non, 6 000, excusez-moi, 600 000 nouvelles entreprises en 2017, ce qui est énorme. Alors peut-être demain serons-nous tous entrepreneurs. Alors est-ce le symbole en fait d'un mouvement exponentiel, puisque entrepreneurs et travailleurs indépendants se multiplient et sont de plus en plus nombreux? Pour cette session, en fait, nous partirons sur 3 points. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'un entrepreneur en devenir? Qu'est-ce qu'entreprendre? Voilà. Le deuxième point, c'est entrepreneur et ou bibliothécaire, quelles sont les facettes similaires de ces métiers, en fait? Et le dernier point, c'est comment bibliothécaires et entreprises peuvent interagir. Voilà. Pour cette session, nous serons accompagnés donc de Monsieur Jean-Philippe Accard, qui est donc directeur de la bibliothèque et des archives de l'école hôtelière de Lausanne. C'est bien ça? Ah, merci. Vous êtes aussi donc consultant, enseignant. Vous faites aussi des formations où vous intervenez auprès de différentes associations comme l'IFLA, comme l'ADBS, d'autres associations aussi. Vous nous en peut-être pas. Et vous êtes aussi l'auteur donc d'un ouvrage qui est sorti il y a peu aux éditions Clog, qui s'appelle Bibliothécaire, documentaliste. Et je me souviens plus du reste. Donc, Tous entrepreneurs. voilà, excusez-moi. Bibliothécaire, documentaliste, tous entrepreneurs, point d'interrogation. Est-ce que je ne me trompe pas, c'est ça? Très bien, je vous remercie. Donc, comme deuxième intervenante, excusez-moi, je vais mettre mon chronomètre, sur ça je vais parler pendant. Pardon. Voilà, c'est exactement. Donc, ma deuxième, en fait, intervenante pour cette session est Élise Pelletier. Elle est donc assistante à la Haute École de gestion de Suisse. De Genève, excusez-moi, alors entre Genève et Suisse, elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Elle a travaillé durant 10 ans en fait en lecture publique en France. Elle est titulaire d'un master en sciences en fait de l'information à la Haute École de Genève. Master en fait aujourd'hui qu'elle coordonne, c'est ça? Exactement. Oui, voilà. Donc, et elle a participé en fait à un projet de recherche sur l'intelligence économique et les chambres de commerce, projet en fait qu'elle souhaite poursuivre dans le cadre des bibliothèques. Voilà. Et enfin, pour Monsieur Guilherme, donc Monsieur Philippe Guilherme, qui est donc DGA à la communauté de communes Creuse Confluence, excusez-moi, à la communauté de communes Creuse Confluence, qui regroupe en fait 42 villages pour 18 000 habitants. C'est ce que certains appellent l'ultra-rural, c'est ça, je me trompe? Que j'aime pas du tout le terme ultra-rural d'ailleurs, mais ça c'est un avis personnel. Voilà, et donc vous êtes en charge donc des ressources humaines, vous êtes en charge aussi de l'environnement, de l'assainissement, de la communication, des projets culturels et sportifs. C'est bien ça? J'y arrive, voilà. Et en fait, au sein de la collectivité donc Creuse Confluence, il y a un développement d'un tiers-lieu qui s'appelle La Boutique, qui mêle en fait médiathèque, office de tourisme et pépinière d'entreprise. Voilà. Donc je vais tout de suite laisser la parole à notre premier intervenant en fait sur la définition d'entrepreneur en devenir, qui est Monsieur Accard. Alors bonjour et merci beaucoup pour cette invitation de la part de l'ABF pour cette intervention et la participation à cette table ronde. Comme vous l'a dit Sébastien, donc c'est suite à la publication d'un nouvel ouvrage sur cette thématique à laquelle je réfléchis depuis un certain nombre d'années, dans le sens où j'ai toujours pensé qu'en fait on était tous entrepreneurs, dans le sens aussi où les bibliothécaires ont pour beaucoup d'entre eux, pour tous peut-être, pour toutes, un esprit d'initiative assez fort,
où la créativité se développe aussi, peut se développer. Et c'est dans ce sens-là qu'on a bâti cet ouvrage avec Clotilde Wesser, par rapport à l'initiative, l'innovation et l'entrepreneuriat. C'était pas l'idée, du tout l'idée de partir sur Startup Library ou quelque chose comme ça, ou une idée très libérale du secteur des bibliothèques. Au contraire, c'est introduire en fait des notions qui fonctionnent pour beaucoup d'entre elles dans d'autres secteurs et qui peuvent être appliquées en bibliothèque. Alors, par rapport à une définition de l'entrepreneur et du en fait pourquoi partir sur cette définition, on a vraiment réfléchi au pourquoi et au comment en fait de l'entrepreneur en devenir. Et pourquoi une profession devrait se réinventer? Bon, c'est clair, je pense qu'on a de multiples raisons et on le voit tous les jours qu'on peut trouver par rapport à une réinvention de nos métiers. C'est à la fois des raisons socio-économiques, politiques, managériales. Nos secteurs culturels sont très discutés, on va dire. Ça dépend bien sûr beaucoup des pays. La situation est assez différente en Suisse, en France, en Belgique. On a des partenaires belges parmi nous. Et dans d'autres pays, bien entendu. Ceci dit, c'est vrai qu'on doit trouver des réponses à des questions de restrictions budgétaires, de restrictions de personnel, etc. Et à la disparition aussi de services carrément, ou de disparition de bibliothèques ou de services documentaires, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Donc il faut vraiment qu'on se batte aussi sur le comment se réinventer. Et l'idée, c'était de partir aussi sur une autre visibilité de notre fonction, que j'appelle la fonction information-documentation. Tout ça autour d'une concurrence qui est en fait assez âpre autour de l'information. On voit bien que le secteur privé est tout à fait prêt à prendre nos domaines. Hein. On le voit avec Amazon, on le voit avec Google, etc. Ceci dit, je pense que dans l'entrepreneuriat qui se dessine actuellement, cet esprit d'initiative qu'on peut voir partout, on le voit ici hein, au congrès, il y a énormément d'ateliers, plusieurs ateliers sur un certain nombre d'innovations qui marchent très très bien. Donc je crois qu'il y a vraiment des vraies raisons d'espérer, même si notre devenir est toujours un peu à inventer ou à réinventer régulièrement. Voilà ce que je voulais dire pour cette introduction au métier et à ce profil qui se dessine du bibliothécaire entrepreneur. Merci. Alors, je vais peut-être laisser la parole maintenant à Élise. Donc bonjour et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de revenir voir les bibliothèques françaises. On nous avait envoyé les différentes questions qui allaient être abordées, et comme on vous l'a dit, maintenant je travaille donc à la Haute École de Gestion. Je m'occupe de coordonner le Master en Sciences de l'Information de la HEG, qui en fait forme les futurs bibliothécaires, entre autres, de la Suisse romande. Donc comme je suis dans une école, j'ai un peu une déformation professionnelle qui fait que je vais être assez scolaire, et qu'en ce moment, au niveau pédagogie, on aime bien faire des infographies à nos étudiants. Alors voilà, je m'y suis prêtée, je vous ai fait une infographie, je ne sais pas si elle vous parle, j'espère, sinon il va falloir que je révise un peu, je vais l'expliquer un peu, et puis je me suis aussi basée sur le dictionnaire, en fait, pour venir parler de ce que c'est d'être entrepreneur. Donc je suis allée voir dans le dictionnaire culturel d'Alain Rey, parce que je suis bibliothécaire avant tout. Hein. Donc qu'est-ce que c'est entre un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Voilà, donc oui, effectivement. je pense que c'était essentiel, voilà. La deuxième définition quand même, c'est une personne qui se charge de l'exécution d'un travail par un contrat d'entreprise.
Donc là, il y a cette notion de contrat qui arrive, qui est assez intéressante aussi. Et puis, la troisième définition, c'est un créateur d'entreprise doué d'esprit d'entreprise. Alors, pour aller plus loin, ce qui est encore plus intéressant, c'est la définition qui est donnée toujours dans le dictionnaire culturel, mais qui est reprise de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, qui dit « L'entrepreneur est celui qui s'engage, dans d'importants et dangereux travaux. » D'importants et dangereux travaux. Alors, je vous interroge en tant que bibliothécaire, est-ce que vous pensez être engagé dans d'importants et dangereux travaux ? Je ne sais pas. Peut-être, certainement, vu aujourd'hui le discours inaugural sur tous les dangers qui guettent les bibliothèques. Donc, moi, comment je suis rentrée dans cette question d'entrepreneur, c'était pendant mes études en master en sciences de l'information, donc à la HEG, en fait, si vous voulez, on ne forme pas que les bibliothécaires, on forme tous les professionnels de l'information. Donc, au cours de nos études, on est aussi amené à travailler sur différents sujets. Et lors d'un projet de recherche, j'ai eu à choisir entre plein de sujets, dont aucun ne parlait des bibliothèques, si un seul, mais en fait qui nécessitait de parler très bien l'allemand. Voilà. Donc, j'ai laissé tomber cette idée. Je me suis dit, je vais aller ailleurs, je vais regarder autre chose dans les bibliothèques. Et puis, voilà, je suis arrivée sur l'intelligence économique. Le lien intelligence économique et bibliothèque peut vous sembler lointain, mais il est très présent. Donc l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait pour les entreprises une façon de capter et de maîtriser l'information stratégique pour l'avenir de leur structure. Donc il y a trois volets dans l'intelligence économique. Il y a d'abord la veille stratégique, qui va permettre en fait de repérer les différents. J'ai eu le petit papier, c'est pas bien. Qui va permettre de repérer les différents enjeux liés à l'information, la protection et l'influence ou le lobbying. Alors, je parle plus d'influence parce que en général, lobbying c'est des fois un peu mal pris comme terminologie. Donc, on va utiliser en fait l'intérêt de l'intelligence économique, c'est qu'elle va permettre de changer de perspective pour les entreprises, d'avoir une approche vraiment plus territoriale, et on va passer du macro-environnement au micro-environnement dans une analyse stratégique en fait, où on va repenser en fait son service dans un tout. Et c'est là que le lien avec les bibliothèques devient très intéressant, parce que l'intelligence économique, elle va réfléchir la bibliothèque dans son contexte complet, avec cette notion. C'est très stressant, en fait. Toutes les deux minutes, il me passe un papier pour me dire « il faut vous taire maintenant ». Donc, je vais accélérer, c'est pas grave. Donc, cette notion, en fait, que j'ai mis d'ancrage, de stratégie, de vision, et puis de savoir, en fait, comment les outils de l'intelligence économique aident les entreprises, elles vont être valorisées au sein des entreprises et comment elles vont aussi non seulement aider les bibliothèques, mais également, elle fait partie, l'intelligence économique, de la formation des bibliothécaires. Et il me reste même 15 secondes et je passe le micro. J'ai prévenu, hein, je suis un maître du temps. Voilà. Donc, pour terminer sur cette question, je laisse la parole à Philippe, donc Guilherme. Bonsoir à tous. Créer des médiathèques en milieu rural, donc ce que les marchands de poubelles appellent l'ultra-ruralité. Donc là, on arrive du nord-est de la Creuse, c'est 17 habitants au kilomètre carré, et ce sont des finances qui sont globalement relativement serrées, donc ce n'est pas forcément évident. L'un des axes, en fait, pour motiver le développement de ce type de médiathèque, de réseau de lecture, c'est l'un des axes qui est intéressant, c'est l'axe économique, même si ce n'est pas forcément bien vu. Mais en tous les cas, c'est un axe qui peut être utile pour permettre de faire accepter ce développement, notamment par rapport à nos élus qui sont aujourd'hui un peu stressés côté finance. Et du coup, dans notre territoire rural, c'est cet axe qu'on a utilisé. Et on travaille sur un projet qui a pris un peu de retard
étant donné les fusions de communautés de communes, de la loi NOTRe et j'en passe, des choses que nos amis suisses n'ont pas à subir en ce moment. Toujours est-il qu'on a choisi de mixer la création d'entreprises et le fait de créer des médiathèques avec une mixité, une évolution du métier de médiathécaire. Pourquoi donc faire évoluer ce métier, puisqu'il va avoir, d'une part, il est en train d'évoluer en essayant de faire évoluer la médiathèque comme étant pas uniquement un centre de coût, une charge, parce que c'est souvent comme ça qu'elle est vécue par les décideurs. Ça veut dire que lui doit faire évoluer son métier pour s'adapter à de nouveaux clients, entre guillemets, utilisateurs, à de nouveaux médias. Ça, c'est une chose. On s'aperçoit en milieu rural qu'il y a une nécessité de médiation numérique de plus en plus importante parce que beaucoup de gens sont complètement perdus par rapport à l'usage des nouveaux médias. Également, il peut avoir une vocation à accueillir de nouvelles populations et de nouveaux entrepreneurs. La médiathèque aujourd'hui, pour nous, la médiathèque et puis avec les choses qui peuvent y être liées en termes de création d'entreprise, est vraiment un facteur d'attractivité territoriale. Aujourd'hui, on est en milieu rural face toujours à une diminution de la population. On fait face à un phénomène de métropolisation qui est extrêmement important. Et du coup, la présence du médiathèque est vraiment un facteur d'attractivité territoriale. Et on va travailler sur des projets où le médiathécaire va être au centre d'un dispositif qui mêle le fait d'attirer des entrepreneurs, de pouvoir discuter avec eux, les aider à s'installer, attirer les nouvelles populations en proposant une offre une offre de lecture et autres, avoir un rôle également de médiation vis-à-vis de certaines populations et notamment les populations âgées. Donc on est en train de travailler sur des choses qui sont complètement hybrides. Donc on parlait tout à l'heure de la boutique. La boutique, pourquoi ce nom? C'est parce que c'est issu d'une boutique et comme on n'avait pas trouvé de nom, on l'a appelé la boutique. Donc on a pris un bail précaire en attendant que le projet aboutisse. Pour tester des choses quoi. Et du coup on commence à tester en fait cette mixité et ce qu'on va pouvoir peut-être obtenir lorsque notre projet sera achevé. Aujourd'hui on a des gens qui ne pouvaient pas se rencontrer dans un territoire où on est 17 par kilomètre carré, l'opportunité elle est plutôt réduite et finalement on retrouve des endroits où vous pouvez croiser un plombier, une femme qui était commerciale chez UPS et qui fait des plantes médicinales, une personne qui est en télétravail pour une entreprise de l'agro-industrie bretonne, un graphiste qui vient de Lyon, voilà, diverses choses, enfin diverses personnes d'horizons assez différents. Alors, ça nous laisse envisager quelque chose d'intéressant voilà, pour l'avenir. Merci pour ce témoignage. Donc, nous allons aborder cette deuxième question. En fait, entrepreneur et bibliothécaire, en fait, quelles sont les facettes qui peuvent être similaires à ces métiers? Voilà. Donc, je vais laisser cette fois la parole à Monsieur Akar. Alors, en fait, on a travaillé sur cette comparaison. Donc, justement, qu'est-ce qui pouvait rassembler ou pas les deux types de fonctions, consultant, entrepreneur et bibliothécaire. Et en fait, je vais pas il y a trois diapositives avec un tableau, mais je vais les passer assez rapidement. Ce qui évidemment différencie, c'est comme vous pouvez le voir, c'est le statut lui-même de l'entreprise ou de l'entrepreneur avec celui du bibliothécaire. Donc par rapport à l'entrepreneur, on a soit l'entreprise individuelle ou au sein d'une organisation, on va parler d'intrapreneuriat ou le système de la pluriactivité. Ce que je trouve intéressant à l'heure actuelle, c'est la possibilité justement de diversifier ses activités selon ses intérêts et pas de s'orienter uniquement, même si c'est un métier très complet et très complexe,
vers un seul métier, celui du bibliothécaire. Donc le bibliothécaire va travailler plutôt bien sûr dans une organisation publique, mais aussi vous avez des bibliothèques privées, associatives, etc. Donc une des premières différences est celle-ci, c'est donc le statut lui-même. Ensuite, la deuxième différence, c'est la prestation elle-même en termes de coût. Il est évident qu'un entrepreneur ou un consultant a un tarif par rapport à sa prestation, tandis que la prestation du bibliothécaire en général est gratuite. Il y a une autre d'ailleurs table ronde sur ce sujet aujourd'hui, en même temps je crois. Et on a aussi une différence par rapport au, enfin une différence, oui et non, par rapport au type de contrat avec l'utilisateur dans un cas et le client dans un autre. C'est clair que le consultant ou l'entrepreneur, lui, va émettre un contrat écrit, hein, tandis que le bibliothécaire va avoir une prestation, va fournir une prestation où il n'y a pas un vrai contrat écrit, évidemment, à part si on considère bien sûr le règlement de la bibliothèque, qui est un contrat en soi. Mais c'est plutôt, on va dire, un contrat oral, en fait, d'acceptation des règles de la bibliothèque par le lecteur ou l'utilisateur. Donc on a parlé du statut, du coût et du type de contrat. Ce qui rassemble en fait, je trouve, ces deux métiers, si on peut dire, bien qu'en fait ça n'en fasse qu'un dans certains cas, pour certaines personnes qui ont déjà leur propre entreprise d'information, en service d'information, c'est bien sûr la prestation elle-même, la prestation de service, elle est très proche en fait. Donc, je ne vais pas tout vous détailler par rapport à ce tableau. Ceci dit, la recherche d'informations, elle passe par les mêmes étapes, que ce soit dans un cas ou dans un autre. L'écoute, l'attention, l'approche utilisateur qui est pour les bibliothèques, ou l'approche client en termes de consultance, l'analyse des besoins, etc. Voilà. Et le but aussi, bien entendu. Troisième tableau, où on va voir aussi, là on va voir quelques différences, c'est dans le développement en fait de la prestation elle-même, qui forcément est, on va dire, plus courte en bibliothèque, elle va se dérouler sur un temps plus court, donc là c'est une autre différence, c'est le temps, après le statut, le coût, et, c'est vraiment la question du temps, dans le sens où là aussi ça rentre d'ailleurs dans la facturation du consultant. Il a plus de temps a priori, il va émettre un devis avec le temps que ça va prendre pour faire une recherche par exemple, ou pour faire une prestation, ou pour réaliser une prestation. Le suivi aussi est forcément un petit peu différent, hein, quand vous êtes dans une prestation qui est payante ou pas, ou gratuite. Je ne dis pas qu'elle est moins bonne dans un cas ou dans l'autre, mais elle est forcément différente et pas réalisée tout à fait de la même manière. Donc voilà, c'était un peu pour dresser très rapidement quelques différences et similitudes entre les deux métiers. On voit bien que ça se rapproche vraiment sur la question de la prestation de service elle-même. Merci, monsieur Accard. Je vais laisser la parole à madame Pelletier maintenant. Donc en fait sur le côté entrepreneur et bibliothécaire, les liens, ils ont été déjà pas mal cités. Il y a cet esprit de créativité, d'innovation, des acteurs de la vie publique. Tout à l'heure, j'ai parlé rapidement des outils d'intelligence économique, puis c'est surtout la notion d'environnement et d'ancrage dans son environnement, dans son contexte. Et ça, c'est vrai que c'est très important. En fait, pour être plus clair un peu dans mes propos, je vous propose un petit exemple rapide. On a eu l'occasion avec Hélène Madinier, qui était aussi ma directrice de recherche sur les sujets d'intelligence économique, d'être mandatée pour une bibliothèque d'ONG qui nous demandait une analyse stratégique en fait, de sa situation, qui n'était pas terrible. Il faut savoir qu'à Genève, les bibliothèques d'ONG, leur situation n'est pas terrible. Parce que, comme beaucoup de bibliothèques, en fait, on leur demande à quoi vous servez. Et la réponse est souvent un peu sévère pour ces structures. Donc, on était mandaté et on a été utilisé faire des analyses PESTEL, des analyses porteurs,
donc autant issus de l'intelligence économique que des outils de marketing, en fait. Et une des conclusions que j'ai trouvées particulièrement intéressante, c'était de se dire, dans cette bibliothèque d'ONG, avec l'analyse de Porter, qui le principe, c'est de voir quelle est la pression, enfin la partie prenante qui met le plus de pression sur cette structure. Donc on a réfléchi avec les différents membres, et puis on est arrivé à définir que c'était le client stratégique, en fait, qui en fait mettait beaucoup de pression parce qu'il pouvait du jour au lendemain décider que la bibliothèque allait fermer. Qui était le client stratégique ? Eh bien, c'était tout simplement la direction, l'autorité de tutelle. Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est bien beau de le dire, mais bon, voilà, quoi. Et alors ? On a travaillé avec eux pour réfléchir à en quoi la bibliothèque pouvait être utile pour son client stratégique qui était son autorité de tutelle. Quel service elle pouvait apporter exactement ? Alors, c'était dans un contexte très particulier. Et on a réfléchi par rapport à la fonction information. On en a parlé tout à l'heure de cette fonction. La fonction information et du rôle du bibliothécaire par rapport à ça. Compétences de gestion de l'information, qu'elle soit sur n'importe quel support, et notamment, on revient à des questions de veille. Est-ce que la bibliothèque, les bibliothécaires, pouvaient faire de la veille stratégique pour la direction ? Et comme... je me suis dit, ah, c'est intéressant comme conclusion, et je me suis posé la question, moi, pendant 10 ans en lecture publique, donc côté français, j'étais responsable d'une TPE, TBE, toute petite bibliothèque, c'est ça, je ne sais pas comment on dit, je me suis dit, qu'est-ce que pendant 10 ans j'ai fait pour mon autorité de tutelle, à part lui demander de l'argent, bien sûr. Autorité de tutelle, j'entends mairie, service administratif, et ainsi de suite. La réponse, bah, pas grand-chose en fait. Si j'allais au conseil, je leur disais « Non mais c'est bien de lire, c'est super, venez, donnez-nous des sous, il faut vraiment qu'on développe la bibliothèque », ce qu'ils ont fait. Franchement, pour ça, j'ai eu de la chance. Donc, je suis allée avec ma question et je suis allée la poser à des bibliothécaires, d'abord en Suisse. Je leur ai demandé « Mais vous, est-ce que vous pensez que vous avez des leviers pour discuter avec, avec votre autorité de tutelle ? Qu'est-ce que vous leur apportez en fait, vraiment à votre... client stratégique, j'ose, c'est des fois pas très bien pris, mais voilà, on m'a dit, ah non, nous on peut pas parce que on ne négocie pas avec eux, on est trop loin, vous, côté français, c'est différent. Donc on m'a un peu renvoyé dans le côté petite française, tu ne comprends rien à la Suisse, ce qui est classique, bon, ok. Donc je me suis dit, bah, ça doit être différent en France, et puis cette semaine, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des bibliothécaires français. Et qu'est-ce qu'on m'a répondu ? Ah ben non, mais nous, bibliothécaires français, c'est différent. On ne discute pas avec nos autorités de tutelle. On n'a pas de poids par rapport à ça. D'accord. Donc, je vous pose la question et j'espère qu'on pourra échanger par rapport à ça tout à l'heure. Qu'est-ce que nous, en tant que professionnels de l'information, et là, je ne nous qualifie pas de bibliothécaires, mais de professionnels de l'information, quelle est notre plus-value pour notre haute autorité de tutelle ? Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à M. Guillaume maintenant. Je trouve que c'est assez intéressant comme réflexion. Moi, je reviens sur le métier de bibliothécaire ou de médiathécaire. Le parallèle, et c'est ce que disait monsieur également, je dirais que le médiathécaire est amené aujourd'hui à beaucoup plus justifier son rôle dans la cité au sens large, et du coup il est amené à faire preuve de créativité, d'une créativité renforcée, sinon ça va pas marcher, quoi. Et on sent bien que là-dessus les élus ont un regard assez aiguisé. Donc je trouve que le parallèle, plus de ce qui a été déjà dit, mais le parallèle avec le créateur d'entreprise, l'entrepreneur, c'est le fait d'aller chercher de nouveaux marchés. Je mets des guillemets. Ça peut être le développement de la lecture auprès de nouvelles populations. Par exemple, les personnes âgées, donc c'est faire preuve de créativité sur la manière d'amener le livre vis-à-vis des populations également, amener les livres sur place, le transport. C'est également...
chercher à séduire de nouveaux bénévoles. Donc là aussi, on a une démarche, entre guillemets, de marketing pour réussir à renouveler les bénévoles, les séduire, les former, les encourager. Et puis on a également tout le volet de communication autour de la bibliothèque, parce que la bibliothèque, malheureusement, elle mériterait en tout le cas d'être à mon avis, plus connue, ainsi que ses démarches. Personnellement, moi, la médiathèque, c'est quelque chose que je suis dans cette salle, celui qui s'y connaît le moins en médiathèque, en fait. C'est quelque chose que j'ai découvert très, très, très récemment en travaillant ça à travers l'axe d'attractivité économique et d'attractivité territoriale. Et en fait, moi, j'avais l'image de la médiathèque quand j'étais au lycée, où j'allais chercher des livres, etc., avec le truc qu'on tamponne. Et en fait, j'ai découvert très, très récemment, en fait, donc il y a 2 ans, finalement, qu'est-ce que c'était qu'une médiathèque aujourd'hui. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai bien pris conscience de ce rôle d'entrepreneur des médiathécaires, quoi. Voilà, et avec cette idée aussi de vendre, ça c'est encore autre chose, mais de vendre un territoire et d'être un point d'entrée dans un territoire, parce qu'aujourd'hui, notamment sur les territoires ruraux, qu'est-ce qu'on doit vendre de manière générale, ce sont des projets de vie, en fait. Sinon, les gens, ils veulent pas venir, en fait. Ils veulent venir en week-end, mais ça s'arrête là. Et je pense que les médiathécaires ont quelque chose à faire dans ce domaine. Merci. Ça me fait penser à une autre question, mais je la réserve pour plus tard. Voilà. Donc, on va terminer sur une dernière question, en fait, c'est-à-dire que comment bibliothécaires et entrepreneurs interagissent ? C'est-à-dire comment les méthodes, ça peut être les espaces, comment les deux produisent ensemble ? Voilà, je vais laisser la parole dans un premier temps à M. Accard. Alors, il y a beaucoup de possibilités, en fait, de lien entre ces deux fonctions. Et on peut exercer l'une ou l'autre, soit en étant, par exemple, travailleur indépendant, bien entendu. Vous avez beaucoup de sociétés qui traitent d'informations et qui sont des sociétés privées, hein, des mises en place par des travailleurs indépendants. Vous avez aussi le travail en alternance, c'est-à-dire quelqu'un qui a un poste en bibliothèque publique et qui a une activité d'indépendant à côté. Ça aussi, ça permet en fait à la fois d'avoir une certaine sûreté de l'emploi et puis de pouvoir engager son action ou sa créativité dans un autre domaine que le domaine principal, en fait. Ça, c'est aussi intéressant. Alors évidemment, c'est aussi une question économique, hein, c'est clair. Est-ce qu'on peut travailler à mi-temps, à 60-70% et puis avoir le reste en activité indépendante? Ça, c'est aussi très, très personnel. En Suisse, c'est très développé, en fait, la question du travail à temps partiel. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent, surtout pour des raisons familiales, bien sûr, mais aussi bien des hommes que des femmes, d'ailleurs, pour élever leurs enfants, etc., qui travaillent à des taux réduits. Mais ceci dit, vous en avez d'autres, qui travaillent aussi pour avoir une deuxième activité privée cette fois-ci. Vous avez l'entrepreneuriat social aussi qui se développe beaucoup avec tout ce qui est évidemment la question des migrants, par exemple, qui met en avant beaucoup de problématiques qu'on rencontrait pas de façon aussi aiguë auparavant. Mais ce n'est pas uniquement ça, mais enfin, en tout cas, ça se développe. Vous avez un statut qui est très intéressant aussi, qui s'appelle celui d'étudiant entrepreneur. Ça permet d'avoir un certain nombre d'avantages, en fait, en tant qu'étudiant qui veut créer son entreprise. L'intrapreneuriat, c'est là aussi pouvoir développer au sein de son institution, avec bien sûr l'accord de sa hiérarchie, une activité un peu différente de celle d'un bibliothécaire classique, par exemple. Ça peut être de la formation, ça peut être d'autres branches, d'autres voies. Et puis, bien entendu, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, surtout dans le domaine du privé, des entreprises cette fois-ci, c'est l'externalisation ou la sous-traitance
de prestations documentaires, dans le sens où toutes ces beaucoup d'entreprises ont fermé leurs services de documentation ou leurs bibliothèques, mais ont quand même besoin de prestations documentaires. Donc la possibilité, c'est de s'adresser à des travailleurs indépendants qui exercent ces activités pour du catalogage, des recherches d'informations, la mise en place de produits documentaires, de bulletins, de revues de presse, etc. D'autres liens possibles, c'est la possibilité du télétravail et du coworking. Donc ça, c'est d'autres manières de travailler. Nous, à l'École hôtelière de Lausanne, dans mon équipe par exemple, j'ai deux personnes qui font du télétravail de manière assez régulière. Donc ça correspond vraiment à un besoin spécifique par rapport à une équipe. Et c'est bien sûr inscrit dans le contrat de travail. C'est pas du tout fait de manière... c'est fait vraiment de manière contractuelle, on va dire. Et puis, je trouve que cette question du coworking aussi est intéressante comme lien avec l'entreprise. En tout cas, ça peut être tout à fait une voie pour les bibliothèques publiques ou médiathèques qui peuvent travailler avec le secteur privé en ouvrant leur espace, par exemple, pour du coworking. Ensuite, bien sûr, on peut créer sa propre start-up. Là aussi, je reviens sur la Suisse avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui lance un certain nombre de start-up très, très en lien avec les technologies de l'information, par exemple. Et vous avez des professionnels d'information qui travaillent dans ces start-up. Ça peut être aussi travailler pour des franchises ou reprendre une entreprise existante. Un cabinet de consultants par exemple, et puis toutes les possibilités d'innovation que vous connaissez, dont le congrès fait état, je pense, de long, en large et en travers. C'est tout ce qui est Fab Lab, Makerspace, et puis tout ce qui est possibilité de réalité augmentée en bibliothèque, design thinking. Ça fait partie vraiment de cette capacité d'innovation. Et on développe donc dans notre ouvrage tous ces aspects, avec tous les aspects juridiques, aspects financiers, aspects comptables, aspects gestion de son activité elle-même. Donc tous les aspects pratiques sont vraiment traités aussi, de manière à avoir un livre, on va dire, assez concret, qui donne pas mal d'idées, de pistes possibles. Voilà. Madame Pelletier, maintenant. Merci. Les entreprises, un quatrième lieu à investir. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Effectivement, c'est à mon avis très intéressant, toujours un peu dans la logique de ce que je disais tout à l'heure, parce que l'ancrage territorial aussi au niveau économique est important. Dans l'analyse qu'on fait, en général, on parle aussi de ce secteur économique et réfléchir comment, quels services on peut apporter aux entreprises, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas le projet de M. Guilherme ici dans la Creuse, mais je vais le suivre de près, parce que je trouve effectivement que ouvrir les bibliothèques, toutes les bibliothèques, je parle en général, aux entreprises, alors on l'a vu beaucoup au niveau des bibliothèques universitaires, avec des projets comme celui de l'Iliade notamment, là, l'ouvrir en fait aux entreprises comme vraiment acteurs de la vie locale. Et du coup, la bibliothèque qui devient un peu le centre de cette vie locale, pour moi, ça me semble très intéressant et assez essentiel. On parlait tout à l'heure des autorités de tutelle. C'est clair que travailler en partenariat, repenser un peu pour favoriser le tissu économique d'un territoire, je pense que c'est des choses qui peuvent... beaucoup les intéresser, entre autres, il y a beaucoup de choses qui vont les intéresser. Et puis, c'est rappeler aussi la valeur de l'information qui est quand même au centre de nos structures, je pense.
Donc, penser vraiment aux compétences informationnelles, les penser à la fois pour tous les publics et y compris pour les entrepreneurs. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est essentiel. Tout à l'heure, je parlais du projet de recherche auquel j'ai participé, qui parlait des chambres de commerce et d'industrie. Et en fait, c'était les chambres de commerce et d'industrie suisses. Mais moi, je me suis chargée de toute la partie d'enquête auprès des chambres de commerce et d'industrie françaises. Et je suis arrivée à la conclusion qu'eux, ils cherchaient à mettre en place des formations sur l'intelligence économique. Et oui, encore. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des partenariats aussi à aller chercher avec d'autres acteurs de la vie publique, comme ces structures qui sont aussi publiques, qui, elles, ont certains moyens. Alors, c'est pas vrai partout, hein. Toutes les chambres de commerce et d'industrie n'ont pas de cellule intelligence économique, mais ont cette volonté en fait de sensibiliser les acteurs de la vie économique à toutes les questions de la gestion de l'information. Et je pense que là, ça fait partie des choses qui peuvent être aussi intéressantes à aller chercher, alors avec d'autres partenaires, et ça participe aussi de la connaissance du territoire en fait, sur lequel la bibliothèque est située. Merci pour tous ces éléments. Je vais laisser Monsieur Guillaume. Oui, du coup, là, ce qu'on cherche à développer, ce sont des espaces qui mixent complètement l'entreprise et accueillent les créateurs d'entreprise et la médiathèque. Sachant que ce qu'on cherche à faire, c'est un peu bête, hein, mais c'est de mutualiser les espaces, parce que des salles de réunion, elles peuvent être utilisées pour, aussi bien pour faire une expo de peinture que pour réunir des collaborateurs ou autres. Une salle d'expo, ça peut être un showroom et ça peut être aussi une exposition sur un thème X ou Y. Ce qu'on cherche à faire également, c'est pouvoir développer des amplitudes horaires. Développer les amplitudes horaires, ça veut dire du personnel en face. Et là également, si on veut réussir à faire passer ça, il faut qu'on arrive à mutualiser le rôle des personnels en question. Si on mêle l'entreprise et la médiathèque, le rôle du médiathécaire ou de la médiathécaire, c'est l'un des rôles essentiels, c'est faire du lien. Faire du lien entre les personnes, mettre en contact les personnes les unes avec les autres. C'est vraiment très important quand on parle de création d'entreprise, puisque création d'entreprise, ça veut dire à la fois trouver des partenaires, des clients, des fournisseurs. Et justement, on s'aperçoit, et là, au fur et à mesure que l'expérience avance, je me rends compte de l'importance de ce rôle, en fait. C'est un rôle central, en fait, hein, le fait de faire du lien entre les gens. Donc, si je reprends l'exemple de ma personne là, qui fait des plantes médicinales, bah, elle a fait faire sa plomberie chez le plombier qui était au même endroit, évidemment. Et le graphiste il a créé un logo pour le plombier, il en a créé un autre pour l'informaticien. Et le plombier se retrouve avec des camionnettes, avec des super logos. Et il a fait aussi le site web de la personne qui a les plantes médicinales. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que ces gens ne se seraient jamais, jamais, jamais croisés s'il n'y avait pas ce type de lieu. Jamais. Enfin, la possibilité, elle est extrêmement faible. Et c'est là le rôle central du médiathécaire, c'est de créer le lien entre les personnes. Et on se rend compte qu'il y a une sorte d'émulsion qui prend, en fait. Parce qu'en milieu rural... On arrive à travailler de plus en plus, à accueillir de plus en plus des travailleurs nomades, des télétravailleurs, des néo-ruraux, des urbains, ex-urbains, etc. Ce qui est, c'est qu'en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils cherchent quand même à conserver du lien parce qu'ils peuvent très bien travailler dans leur salon en pyjama. Mais les chevreuils, c'est sympa à un moment, mais au bout d'un moment, les chevreuils, on en a un peu marre. Et puis, on a envie de pouvoir aller acheter le journal à côté, prendre un café, discuter avec des gens, aller acheter un kebab. Les besoins, ils sont les besoins de lien et les besoins de... Oui, c'est ça, d'être avec les autres. Ils sont exactement les mêmes en ville ou à la campagne. Et donc ce lieu, les médiathèques et ces médiathèques hybrides ou troisième ou quatrième lieu, en fait, ont pour moi un rôle essentiel à ce niveau-là. Je vous
vous remercie. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour conclure, si vous voulez, puis après on passera aux questions dans la salle. Alors pour les questions dans la salle, je vous demanderai de lever la main très haut, parce que c'est moi qui vais me déplacer pour les micros. Donc voilà, je suis un petit modérateur, donc je n'ai pas le droit aux assistants micro. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Voilà. Je vais laisser donc Monsieur Aguirre conclure, si vous voulez. Oui, donc toute la démonstration, hein, je pense, de cette table ronde, c'est vraiment d'ouvrir nos métiers le plus possible, de chercher des pistes de développement. C'est déjà bien entamé partout, hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir. Depuis une quinzaine d'années, les bibliothèques publiques, médiathèques, se sont vraiment beaucoup développées. Ont adopté beaucoup de nouvelles techniques, ont mis en place justement tous ces aspects de médiation, médiation sociale, médiation numérique, médiation pédagogique, etc., à tous les niveaux. Mais bon, je crois qu'il faut quand même être attentif à ce qui se passe dans d'autres secteurs. Ça ne veut pas dire que le secteur des bibliothèques publiques doit se transformer en secteur privé, hein, c'est pas du tout la question. C'est plutôt prendre ce qui marche ailleurs et l'adopter dans nos métiers. Voilà, c'est principalement ça, pour donner un peu un résumé de ce que j'ai pu présenter aujourd'hui. Voilà. Je vais vous laisser conclure, Madame Pelletier. Alors, en conclusion, ça a été déjà pas mal dit par rapport à ce que vient de dire Monsieur Aguirre sur le fait d'ouvrir nos métiers, ouvrir nos métiers à d'autres outils moins classiques. C'est pas nouveau, hein, l'introduction des outils marketing au niveau des bibliothèques. Il y a un très bon numéro de la revue documentaliste qui date de 2008 sur ces questions. Avec Jean-Michel qui dit de la nécessité d'un repositionnement stratégique des bibliothèques, 2008. 2018, il y a aussi un mémoire à suivre, une thèse à suivre, qui est d'une étudiante en économie de gestion à l'Université de Bordeaux, qui s'appelle Élodie Chabroux, qui a écrit aussi un article très intéressant. Enfin, c'est tout très intéressant, dans la revue de l'EPSI, où elle dit ce marketeur, cette personne mal aimée, ce mal aimé de marketeur, où elle parle en fait du fait que le marketing est encore très mal vu au sein de nos professions. Donc ça, je ne sais pas. Et puis, juste en conclusion, c'était conclure sur entrepreneur en devenir. Comme je le disais, je participe à la coordination du master en sciences de l'information. Et cette place du bibliothécaire en tant qu'entrepreneur, créativité, proactivité, elle est très importante, et elle est importante parce qu'elle est très demandée au niveau des professionnels en poste. Donc on a un comité scientifique qui s'est réuni il y a 10 jours, donc c'est assez frais, qui regroupe plein de responsables de bibliothèques, de grandes bibliothèques de Suisse romande. Et donc, on leur a demandé, tout simplement sur un CV, qu'est-ce que vous cherchez comme compétences quand vous recrutez des bibliothécaires. Donc, je vous passe l'aspect gestion des données. Mais ce qui ressort, ce qu'ils veulent, c'est des négociateurs. Alors, des négociateurs, pas que au niveau économique. C'est pas, alors oui, forcément, si on arrive à les négocier pour les offres de ressources numériques, je pense qu'ils seront contents. Mais ce qu'ils cherchent surtout, c'est négocier par rapport à tous les changements qui ont lieu dans nos métiers, en fait. C'est-à-dire savoir comment on évolue, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être en adéquation avec une demande qui est quand même assez forte de nous diversifier. Et c'est vrai que c'est aussi la question de la formation. Comment on forme des négociateurs? Alors c'est pareil, hein, c'est une question. Si vous avez des solutions, je veux bien. Et je rentrerai à Genève avec des réponses et mon responsable sera très très content. Merci. Merci. Je vais laisser M. Guillaume conclure aussi.
En fait, j'ai pas grand chose à rajouter. Tout a été dit. Puis je me suis fait un peu piquer une partie de ma conclusion. Non, mais là, je trouve que la question qui vient est liée à l'agilité en fait qu'on attend des médiathécaires aujourd'hui, à leur capacité d'adaptation, de créativité, de faire le lien. Et la question que je me pose en fait et que je ne connais pas du tout en fait, c'est est-ce qu'on a les bonnes formations pour que ces personnes soient prêtes face à un nouveau métier ou enfin, je ne vais pas dire que le livre n'est pas important parce que ce serait hérétique, mais le livre est vraiment une petite partie du dispositif finalement, de mon point de vue, mais sans en minimiser l'importance évidemment. Voilà. Donc le président, donc Xavier Gallo, va faire le déplacement micro. Merci Xavier. J'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que c'est un sujet que je trouve hyper important, qui fait une impression qu'on ne va pas épuiser aujourd'hui, mais plutôt une piste de travail à suivre dans le futur, parce que je crois qu'il interpelle beaucoup, surtout en France. Il y a d'autres pays où le bibliothécaire entrepreneur existe, ici aussi ça existe, mais peut-être plus, parce qu'il se voit obligé d'entreprendre pour ne pas dépérir. Et dans la revue qu'on publie au Centre national de littérature pour la jeunesse, à la BNF, qui s'appelle Takamtikou, il y a déjà 7 ou 8 ans, il y a eu un article dont le titre était « Bibliothécaire, entrepreneur à multiples talents ». Et il présentait l'histoire d'une bibliothécaire togolaise donc, qui, avec ses entreprises multiples, arrivait à faire vivre sa bibliothèque. Donc déjà, merci beaucoup. C'était très, très, très intéressant. Et puis la question, c'était pour moi, je voulais vous demander un peu plus de précision sur ce que ça veut dire concrètement ouvrir les bibliothèques aux entreprises dans les modalités. Pour moi, ce n'est pas très très clair. Est-ce que c'est toujours conçu depuis le début, depuis la création de la médiathèque ou non? Qui choisit les entreprises qui sont accueillies au sein de la bibliothèque? Est-ce que c'est avec des contrats à longue durée? Est-ce que ces entreprises payent une location? Qui coordonne un petit peu? Voilà. Un peu plus. Merci. Merci. Qui veut répondre? En ce qui concerne le nouveau lieu sur lequel on est en train de travailler, c'est conçu dès le départ, en fait, la mixité entre entreprises et médiathèques. Et on a également une médiathèque qui est assez grande, en fait, et où on va intégrer cette dimension entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être intégré dans un établissement existant, donc avec une vraie démarche. Les entreprises, elles payent, en fait. Elles payent, les utilisateurs payent. Alors, c'est pas forcément des grosses sommes, mais voilà, ils payent parce qu'ils ont accès à une prestation de liens internet, de photocopieurs, de médiation également, parce que c'est dans la prestation. Ce qu'on s'est rendu compte également, étonnamment, c'est qu'il y a plein de gens, on n'est pas du tout. Quand on est une collectivité, il faut créer des régies, il faut délibérer. Enfin, c'est très compliqué pour empocher 3 francs. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens voulaient payer, en fait. Pendant un certain temps, enfin, c'était totalement informel. On avait dû mettre une boîte pour recueillir les sous, parce que nous, on ne voulait pas d'argent. Et donc, du coup, l'argent servait à acheter des trucs. Mais voilà. Donc, voilà, c'est payant et c'est prévu. Et la dernière chose, c'est le choix des entreprises. Aujourd'hui, on a une sorte de comité d'agrément, en fait, pour accueillir les entreprises. Et ce sur quoi, c'est pas encore complètement au point, hein, mais ce à quoi je veille, en fait, c'est que les utilisateurs s'entendent entre eux. C'est important parce que c'est pour maintenir c'est comme un aquarium, en fait. Un aquarium ouvert sur le monde, mais un aquarium, et il faut trouver l'équilibre pour que les gens puissent travailler entre eux, s'entendre entre eux, parce que c'est aussi eux qui font vivre, ce sont les entrepreneurs qui font aussi vivre le lieu.
c'est pas, on n'est plus dans une démarche complètement verticale avec un chef et puis des trucs. Non, ce sont des lieux qui sont coportés en fait par à la fois les représentants de la collectivité et puis les utilisateurs et les entrepreneurs. Donc vous êtes prêt pour compléter un peu la question à refuser une entreprise et à avoir un vide entre guillemets si ça risquait de poser un problème. Il n'y a pas un objectif de rentabilité à tout prix. C'est jamais rentable. C'est jamais rentable. Peut-être à Paris, à Toulouse ou enfin en tous les cas ailleurs, c'est pas rentable. C'est rentable avec si on prend en compte les externalités, mais intrinsèquement, ce n'est pas rentable. Après, bien sûr, quand la personne va aller acheter à Carrefour Market et va acheter une maison et emmène ses enfants, etc., intrinsèquement, ça ne l'est pas rentable. Mais on a eu un cas où on s'est un peu posé cette question-là et la personne, on lui a donné des échéances, en fait. Parce que je sentais parce qu'on m'avait fait remonter l'info. Moi, je ne suis pas dans la boutique. Donc, il y avait un petit malaise entre utilisateurs et du coup on a donné des échéances et à l'issue de l'échéance donc on est revenu et puis je dis bon ben est-ce que ça marche, est-ce que les choses ont bien été discutées et là ben, j'ai un animateur qui m'a dit bon oui ok ça marche donc on continue en fait, mais ouais sinon je pense qu'on l'aurait dit franchement ouais. Monsieur Hacker qui voulait dire quelque chose je crois sur ce point, non? Oui, je voulais compléter par rapport à la demande de Viviana, par rapport à un exemple international en fait. C'est, alors on n'en est peut-être pas encore là en France ou en Europe, en tout cas la Bibliothèque nationale de Singapour qui est très branchée démarche marketing, qui ouvre ses espaces aux entreprises locales en fait. Donc les entrepreneurs ont vraiment l'habitude de fréquenter cette bibliothèque pour ces espaces. Il y a des cours qui sont donnés, il y a des expositions, il y a des ateliers, etc. C'est un exemple de lien entre ces deux métiers, en fait. Tu veux dire quelque chose, Anne? Oui, je pense que faire rentrer les entreprises dans les bibliothèques, quand j'ai entendu la question, je me suis dit, ah non, mais... On fait attention quand même, c'est du privé, voilà. Mais je reviens juste sur la notion de négocier, en fait. C'est toujours un pacte qui se met en place. Après, il y a aussi cette idée que de toute façon, les entreprises, elles sont peut-être déjà dans vos structures, par l'intermédiaire de vos usagers aussi, qui sont aussi des acteurs de la vie économique. Donc voilà, c'était vraiment cet aspect-là où... Tout est à penser, et à penser par rapport à un territoire donné. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à apporter. La réponse, elle est propre à chaque territoire. Là, on avait l'exemple de la Creuse, où je fais une interprétation, je ne sais pas si j'ose, mais il y a ce besoin, en fait, d'aide aux entreprises. Donc, c'est un cas particulier, en fait. Et c'est ce qui est important, je pense, sur cette question, c'est vraiment toujours de penser le contexte, en fait. Il y a une question. Oui, bonjour. C'est une question qui s'adresse à Monsieur Hacker. En fait, sur votre slide, vous avez pointé l'externalisation et la sous-traitance. En effet, c'est quelque chose que j'avais vu sur Singapour et qui, dans ma communauté d'ACLO, en tout cas, moi, ça m'intéressait de le développer. Je voudrais savoir si vous avez des expériences en France sur ça, justement. Moi, justement, j'avais prévu, enfin, j'aimerais travailler avec les CCI ou avec les TPE. Sur de l'externalisation de la sous-traitance, on est de plus en plus sollicité par des TPE ou par des associations pour mettre en place et pour rationaliser des centres de documentation en interne. Et pour nous, c'est un vrai service qu'on aimerait rendre, mais on a encore du mal à voir comment on peut le monter, déjà juridiquement. Et financièrement, et aussi si d'autres exemples sont créés, puisque c'est quand même une grosse structure à mettre en place dans des collectivités qui actuellement perdent plutôt des collaborateurs plutôt que d'en gagner. Donc voilà. Je suis chargée de la médiation numérique, de l'innovation et de la formation à la communauté d'agglomération de Pau.
Écoutez, il y a depuis très longtemps, je pense, depuis au moins 20-30 ans, il y a beaucoup de sociétés d'externalisation ou de sous-traitance qui existent ou qui ont existé. Après, comment ça se passe, comment ça se met en place, comment ça se valorise, il faut déjà, je pense, déjà avoir un catalogue de prestations à fournir, à proposer aux entreprises, et puis après le faire savoir, soit au plan local, soit sur un plan national. Donc, je pense que le mieux, c'est encore de contacter ce type d'entreprise pour savoir comment elles fonctionnent et comment elles font cette externalisation, comment elles sous-traitent ou comment le travail est fait. En fait, j'ai pas tellement plus d'exemples. Mais vous avez plein de. Alors, la question, c'est quoi ? Dans un contexte de médiathèque publique. Offrir ce service qui est un service privé. Ah oui, ok. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples et de montage financier et juridique aussi ? Ah ok, non, je n'ai pas d'exemple particulier en fait. Je pense que ça doit exister, mais j'ai pas de... ça ne me vient pas à l'esprit comme ça. Je pense que les BU qui ont développé ce type de service, peut-être se rapprocher d'elles parce qu'elles ont dû faire des montages techniques pour y arriver, je pense. Et elles sont dans des collectivités, même si ce n'est pas exactement les mêmes. Je pense à l'Iliade, on en a parlé, ça a été évoqué. Alors moi, j'avais une petite question. Alors, en fait, est-ce que innover doit devenir une injonction, quoi ? Parce que, alors, il y a 10 ans, on nous a parlé d'accompagnement au changement, après on nous a parlé d'innover, après on nous a parlé d'entreprendre, enfin bref, il faut toujours faire négocier. Quelque chose, voilà, de négocier maintenant, enfin bref, il faut toujours être autre. Et c'est quand même, est-ce que ça devient une injonction, en fait, par rapport au monde du travail dans lequel on est ? Oui. Enfin, je veux dire, on innove à partir de ce qu'on est déjà, enfin, ce qu'on possède déjà, ce qu'on sait déjà. C'est ça que je trouve quand même intéressant. Je pense que les bibliothèques, les médiathèques ont d'infinies possibilités d'innovation. Et je pense qu'on... Enfin, toutes les personnes qui sont dans la salle ont innové à un moment donné ou à un autre, ou sont en cours d'innovation. Donc, à partir de connaissances, de compétences, d'expériences, je pense qu'on peut tout à fait innover. Après, c'est vrai que c'est un des maîtres mots de la société actuelle, l'innovation, c'est clair. Justement, est-ce que ça ne va pas tuer l'envie d'innover, tellement on nous demande d'innover. Détruire. Voilà. Peut-être, oui, peut-être c'est difficile pour certains ou certaines, je ne sais pas. Mais, en tout cas, je pense qu'en tant que... Je pense que dans la salle, il y a aussi certainement pas mal de responsables de services documentaires ou de bibliothèques. En tout cas, ça me paraît être une des qualités d'un responsable, c'est de proposer ou d'être ouvert à l'innovation dans son équipe. Voilà, c'est ce qu'on nous demande constamment. Par exemple, je travaille à l'école hôtelière, je travaille beaucoup avec les services informatiques et les chefs de projet. Et en fait, j'ai toujours une question qui me déroute un petit peu, c'est-à-dire qu'ils me disent toujours « Alors, tu es sur quel projet ?» Donc, effectivement, dans leur tête, il faut toujours innover, quoi. Il faut toujours être sur des projets. C'est pas toujours facile, en fait, d'être dans cette optique-là. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, il y a toujours des projets, il y a toujours des choses qui se mettent en place, auquel il faut participer, ou une enquête auprès du public, ou un service à modifier, ou les horaires d'ouverture, ou, etc. Ça, c'est des projets. Donc, ça demande du travail, de la réflexion, de l'adhésion, etc. Question dans la salle ? Oui. Donc, présentez-vous, comme ça, parce que comme c'est enregistré. Bonjour, Viviane Spotorno, directrice de médiathèque de Boissy-Saint-Léger, qui fait partie du Grand Paris Sud-Est Avenir. Je trouve le débat super intéressant. Je note tout ce que vous avez dit avec intérêt. C'est des choses qui nous touchent quotidiennement. Élise Pelletier a parlé d'une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on apporte, nous ? Je pense que c'est une très bonne question. Et puis, il y a vraiment autre chose, moi, qui me travaille depuis très longtemps. C'est la façon dont on communique, parce que l'innovation, enfin,
on dit, enfin, toutes ces choses-là peuvent être faites, on peut continuer à innover, et il faut continuer à le faire, et je suis convaincue qu'on va continuer à le faire, parce que c'est vraiment, les bibliothécaires sont extrêmement innovants, on va dire, mais bizarrement, c'est quand on parle, dans une campagne présidentielle ou autre, d'horaires d'ouverture ou le dimanche, au Salon du Livre, on parle que d'éditeurs. À chaque fois qu'on parle de livres, on parle d'auteurs, bien sûr, de librairies, d'éditeurs. Moi, nous qui écoutons tous, enfin, on est tous très intéressés par toute cette production littéraire, ces radios, enfin, tout ce qui sort, on ne parle jamais de nous. Alors, on se dit tous, on est tous en association, on travaille en réseau, etc. On ne sait vraiment pas communiquer, on est des nuls en communication. On ne veut pas rentrer dans ces termes-là de marketing et tout. Alors que regardez la littérature professionnelle, ça fait 30 ans qu'on en parle. Ça fait 30 ans qu'on, chacun dans notre coin, on fait plein de trucs. Moi, j'ai parlé à des élus de coworking il y a déjà quelques années parce que j'avais un espace multimédia qui n'était pas pris. Toute la journée, on recevait des groupes, etc. Donc j'avais proposé quelque chose comme ça, on m'a regardé avec des yeux. Donc il y a quand même un problème, je pense, vraiment très important dans la communication. Quand par exemple, monsieur, vous dites qu'il y a quelques années, vous pensiez que les bibliothèques, c'était pareil que pendant que vous étudiez, donc je ne sais pas quand, il n'y a peut-être pas bien longtemps, mais enfin tout de même. Et je sais que c'est comme ça. Je sais, autour de moi, on ne sait pas ce que c'est que le métier de bibliothécaire. Alors, il n'y a que nous qui en parlons et qui savons, quoi, dans nos congrès, etc. Donc là, il y a un vrai problème de communication. Ce n'est pas que nous qui sommes responsables de ça, parce que sur les réseaux sociaux, on y est. On est un peu entre nous, mais enfin, on y est quand même. On a des idées, on est innovant, on fait plein de trucs, on a des moyens, on réfléchit, et ça ne se voit pas. Alors, c'est aussi notre faute, il ne faut pas nous exonérer de ça. Mais il faudrait comprendre pourquoi, quand même. Moi, c'est vraiment une question que je me pose depuis des années. Pourquoi on reste des espèces de personnes plus ou moins bénévoles qui parlons de bouquins entre nous? Alors, c'est je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je prends la parole parce que j'ai vécu aussi le côté 10 ans lecture publique. Ah, mais moi, j'aimerais bien être comme toi, payé à lire, c'est génial. Donc, voilà, ça me parle particulièrement. Mais ils n'ont qu'à passer les concours, hein, et puis voilà. De quoi ? Ils n'ont qu'à passer les concours, ils seront payés pour lire. ce qui m'intéresse, alors déjà par rapport à la question du marketing, on a eu un petit débat avec certaines personnes tout à l'heure. La question du marketing, c'est vraiment pas que la communication, c'est qu'une partie du marketing. Le marketing, c'est vraiment repenser sa gestion de la bibliothèque par rapport aux besoins des usagers. Donc ça, c'est clair qu'on a une idée du marketing qui est très, et d'ailleurs un peu, qui biaise un peu notre rapport au marketing, qui est très lié à les panneaux publicitaires, l'agression publicitaire qu'on voit partout. C'est pas ça. Ce n'est qu'une partie. Donc déjà, ça, c'était important de leur dire. Par rapport à l'image des bibliothèques, je suis assez d'accord, et la solution, on ne l'a pas trouvée, parce qu'effectivement, ça fait quelque temps que je suis en bibliothèque, et ce débat-là, il ressort tout le temps, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un débat qui est aussi peut-être lié à beaucoup de professions. Ma sœur est prof... Voilà, le débat sur les profs, on peut l'avoir un peu sur la même chose. Donc déjà, c'était pour relativiser. Et puis, moi, je pense qu'en travaillant vraiment par rapport à nos territoires, je parlais des relations avec les élus locaux, aller les voir et pas être dans une posture de « nous, les bibliothécaires, on a besoin de ça, mais nous, les bibliothécaires, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous apporter ?» On va venir, on va négocier avec vous. On sait qu'on a besoin de ressources, de vos ressources, pour pouvoir continuer à se développer, à innover, parce qu'on parle de l'innovation. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur la table, en fait ? On va leur dire qu'est-ce qu'on leur apporte, qu'est-ce qui est... Alors, moi, j'ai parlé plus de services aux clients stratégiques, donc je me suis axée là-dessus. Mais c'est bien sûr toutes les questions aussi d'impact,
qui m'intéresse aussi beaucoup, l'impact des bibliothèques sur leur territoire. Donc on va aller travailler aussi, travailler différemment. Dire que par rapport à, on correspond aux besoins des usagers, oui, mais comment, quel impact on a sur nos territoires? Qu'est-ce qu'on apporte? Quelle est la plus-value? On pourra en parler assez longtemps, mais je m'arrête là. Vous voulez dire quelque chose? Oui, par rapport à la communication, en fait, on est un métier assez jeune en communication, on va dire. On n'a pas appris. Hein. Les cours en communication, je crois qu'ils sont très, très, très récents dans les formations. Il n'y avait pas très peu de littérature aussi, etc. Donc, et en plus, je pense qu'on est dans un secteur qui a été considéré pendant très longtemps comme un secteur non rentable. La culture, c'est pas rentable, a priori, mais c'est faux. On voit bien que les acteurs économiques sont bien présents pour prendre tout ce qui est information et culture. Donc, je pense que ça, c'est le deuxième aspect. Et puis, c'est quand même en train de changer, mais ça repose essentiellement sur nous, en tant que professionnels, de faire connaître notre métier. En tant que responsable, je ne sais pas comment vous faites, moi je pense que je passe à peu près 50% de mon temps à communiquer dans mon établissement. Communiquer avec les profs, communiquer avec la hiérarchie, communiquer avec mon équipe, avec les étudiants, avec les non-étudiants, les non-étudiants, etc. Et communiquer bien sûr à la communauté professionnelle. Donc là aussi, il faut aussi essayer de faire en sorte que votre équipe, ou enfin, ce que j'essaye de faire avec la mienne, on soit tous un peu sur cette même longueur d'onde, justement en termes de communication auprès de nos usagers, en essayant de promouvoir cette idée de la bibliothèque. Alors, je peux vous dire que ça met du temps, enfin vous le savez certainement aussi bien que moi, mais ça a quand même des effets assez positifs. Au bout d'un moment, ben voilà, on n'est peut-être pas extrêmement bien considéré encore, mais en tout cas, ça, je trouve, enfin, quand on fait ce travail de fond, vraiment la situation s'améliore de visibilité, de présence. Je vais peut-être compléter. Oui, allez-y. Puis je donnerai des réponses aussi. Le budget communication dans une entreprise, il est important, parce qu'on sait à quel point c'est important de communiquer. Le budget communication pour une médiathèque, si on, même quand on y met les moyens, il est vraiment, c'est une portion congrue, quoi. Donc, vraiment, il y a... Oui, alors, moi, je donnais un élément de, peut-être, contexte. Déjà, vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu, il y a un certain nombre de grands réseaux qui se sont emparés de la question. Il y a eu des campagnes d'affichage quand même, je pense à Limoges, il y a plein d'autres endroits où il y a eu... Ils ont essayé d'échanger l'image de la bibliothèque à travers des messages, donc il y a déjà eu quelques tentatives, et il y en a d'autres, hein, que celles que j'ai citées. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, sur une campagne qui serait nationale, ou etc., c'est un sujet qui n'est pas si ancien, enfin en tout cas, là je parle au nom de l'ABF, ça fait 4-5 ans qu'on en parle avec le CNL. Alors la problématique, c'est que on n'aura pas deux fois l'occasion de le faire avec le CNL si on obtient un budget. Il faut trouver le bon message à faire passer. Oui, et au-delà des professionnels, l'idée, c'est de communiquer auprès du grand public. Hein, et alors c'est pour ça que finalement, la démarche qu'on a adoptée au sein de l'ABF, c'était, à travers l'enquête qui va être restituée aujourd'hui, finalement, quel est l'impact, et ça rejoint ce que disait Mme Élise Pelletier, quel est l'impact de la bibliothèque sur le territoire ? Pour envoyer une image positive en disant, c'est pas juste, on va dire, il n'y a pas que des livres en bibliothèque, parce que ça, à la limite, pourquoi pas, mais ce ne serait pas un message forcément efficace, mais de se dire finalement, voilà l'impact qu'une bibliothèque peut avoir pour vous, pour tout un chacun. Et ça, il faut d'abord qu'on ait le résultat de cette enquête qui a tardé, et après, avec le CNL, on sera capable, une agence de com, de réfléchir à un message. Voilà, c'est un peu la démarche qu'a l'ABF aujourd'hui sur cette idée de changer l'image des bibliothèques au niveau national. Moi, j'avais aussi une petite question. En fait, alors, ça reprenait en fait par rapport à l'intitulé donc de la session bibliothécaire entrepreneur, parce que j'habite un petit village où donc vous avez un boulanger assureur, ensuite vous avez un libraire boucher qui fait aussi parfois banquier, puis le cigarettier qui fait aussi. Enfin bref, en gros, dans le temps,
il pouvait y avoir une frontière entre les métiers qu'on ne retrouve absolument plus et qui n'est pas inhérente à la fonction, enfin, au métier de bibliothécaire. Et, enfin, dont on le voit bien dans le monde professionnel, tout, voilà, tout est, enfin, il y a une certaine porosité. Donc justement, dans les bibliothèques, est-ce qu'on ne doit pas, enfin, jusqu'où on peut aller dans cette porosité ? C'est une question. Vous avez encore 4 heures. Voilà, on peut faire bibliothécaire coiffeur, il n'y a aucun souci. Juste pour compléter votre propos, effectivement, moi, j'ai trouvé vraiment la présentation très intéressante. Mais moi, ce que je constate sur le terrain, et pourtant, je pense qu'on, nous, en tant que bibliothécaires, on a bien compris comment il fallait évoluer, etc., etc. Mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que parfois, on nous demande d'être un troisième lieu, on nous demande de faire de l'innovation, de la créativité, voilà, travailler plus avec les entreprises, voilà, on nous demande toujours plus. Et moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que parfois, les équipes, il y a une perte de sens, quoi. Parfois, on se perd dans tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui on est. Et moi, ce que j'ai peur, et pourtant, je suis sur un service de médiation, donc je suis extrêmement ouverte à tout ça, mais j'ai un peu peur qu'on ne sache plus quelle est notre identité au bout d'un moment, quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai questionnement, en fait, aujourd'hui, je trouve. Et j'avais une autre question, justement, à M. Guillermo. Je me disais, par rapport à cette réflexion, permettre à des personnes de réfléchir sur un modèle de médiathèque, est-ce qu'on peut aller jusqu'à modifier et proposer dans des équipes de bibliothèques d'autres personnes avec d'autres métiers? Ben, je pense que oui, bien sûr. Oui. En fait, autres métiers, je pense qu'il y a je pense qu'il y a une dimension d'animation, en fait, qui est que je trouve très très importante à développer, en particulier, en fait, d'animation, de ce que je disais tout à l'heure, là, de faire du lien, mais d'en faire un truc assez assez central. Et puis après, si on revient sur les entreprises, peut-être qu'à un moment donné, alors ça peut paraître un peu bizarre, et je comprends bien la question sur le questionnement sur qu'est-ce qu'on est, quel est notre rôle, mais il y a aussi ce rôle de faire du lien avec peut-être avec des différentes institutions. Je pense aux chambres de commerce, chambres des métiers, etc., où on est un maillon au sein du territoire et on doit faire. Enfin, on doit. C'est pas pour le coup, c'est pas une injonction, mais ça peut être intéressant de réussir à se positionner avec d'autres institutions et de faire le lien avec les autres, justement au profit, par exemple, des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Moi, je vais encore rebondir sur ce qu'a dit Mme Pelletier. C'est que c'est la notion d'impact, c'est-à-dire qu'on retrouve du sens en disant à quoi on sert, enfin, quel est l'impact qu'on veut avoir sur notre territoire. Plutôt que de se dire on va faire tel et tel service, mais on inverse. Et là, du coup, on peut participer, on peut dire la bibliothèque contribue au développement économique à travers certaines choses, mais ne fera pas de développement économique, mais à travers certaines choses, bah, elle y participe. Et c'est là où on retrouve du sens parce qu'on est dans une collectivité avec une mission plus large, quoi. Voilà, je pense qu'on change un peu de paradigme si on pose des choses comme ça. Il y a M. Aguirre qui voulait répondre. Oui, je voulais juste intervenir sur la question de la perte de sens dont vous parliez et qui est effectivement très importante parce que quand on assiste à des congrès régulièrement ou à l'IFLA par exemple, même ici, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de directions possibles, beaucoup de possibilités, puis on se dit, mais finalement, où va-t-on ? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer en revenant dans mon service ? Et en fait, ce que je trouve très important, c'est vraiment de faire ce travail justement d'innovation, ou en tout cas de créativité avec son équipe, et d'être vraiment d'accord avec elle, enfin, que tout le monde soit impliqué et de demander l'avis de chacun, chacune, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'équipe pour promouvoir la bibliothèque ? Qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire ? Ça fait vraiment partie, à mon avis, d'une politique de service qui va avec, bien sûr, ce qui se fait dans la commune ou dans l'établissement, etc. Et puis, par exemple, là, à l'école hôtelière, on a mis en place un escape game dans la bibliothèque.
cette année, parce que ça a été proposé par deux membres de l'équipe. Et je me suis, en plus, on a affaire à des étudiants, donc ça me semblait tout à fait adapté. Et ça a eu beaucoup de succès, en fait. Donc c'était un peu, on va dire, quand même un peu innovant. C'était aussi pour que, grâce à cet Escape Game, les utilisateurs, nos étudiants, découvrent comment fonctionne la bibliothèque. Évidemment, les questions étaient très orientées. Voilà, donc pour moi, c'est la perte de sens. Elle peut être vraiment... il faut circonscrire, en fait, les besoins, les possibilités avec les personnes avec qui on travaille et voir si ça fonctionne. Après, voilà, si cette idée d'escape game n'avait pas marché ou n'était pas adoptée par tout le monde, on ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas mis en place. Juste, je voulais rebondir sur cette notion de perte de sens, parce qu'effectivement, elle est assez forte dans le métier. Notamment, nous, dans la formation... on arrive avec, on rajoute la gestion des données, le marketing, les compétences sont assez variées. Et justement, c'est essayer de valoriser en fait notre métier, de valoriser ce qui fait le cœur de notre métier, qui est aussi l'information, le livre bien sûr, mais beaucoup l'information aujourd'hui. Et il y a plein de débats en ce moment sur les fake news. Alors, mon école, la Haute École de Gestion, a fait sa journée sur les fake news. Et qu'est-ce que c'est que les fake news ? C'est juste repenser, évaluer les sources d'information. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? On fait ça. Donc, il faut savoir se positionner par rapport à ça, valoriser nos compétences métiers. Donc, effectivement, des fois, on a l'impression, parce qu'on parle collection, on parle livre, et puis on oublie ce qui fait le cœur de notre métier, parce qu'on s'attache à des supports. Donc, je pense qu'il y a aussi ce travail à faire de valorisation de nos compétences. Oui, je voulais juste un peu compléter sur le propos de Philippe Guillaume sur le projet de Boussac, où effectivement la grosse entrée, c'est l'attractivité du territoire par la création par cet accueil des entreprises, mais ça restera aussi une médiathèque, et donc il y aura des compétences multiples. A priori, on est en train de construire le projet, donc il n'est pas encore sorti, mais tel qu'il se dessine, il y aura aussi des médiathécaires avec leurs compétences de médiathécaires, et puis un animateur ou des animateurs qui auront aussi leurs compétences d'accueil des entreprises, et l'idée ce sera que tout ça fonctionne ensemble dans un même lieu avec des compétences multiples. Donc voilà, ça ne veut pas dire que la médiathèque va être forcément complètement noyée. Ça ne devient pas seulement un lieu d'accueil des entreprises. C'est ce lieu de lien d'accueil, de création de liens sociaux, donc avec les entreprises, avec tout le tissu local, mais aussi pour la population locale et pour que les gens ils aient envie de s'installer et de vivre là aussi. Oui, une question. Présentez-vous. Bonjour, je suis Sophie Monet, je travaille à la médiathèque de Vernon, section musique. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, ça suscite plein de choses dans ma tête. On y est déjà dans l'innovation tout le temps dans nos métiers, les escape games, etc., enfin, plein de choses, le coworking. Moi, par rapport aux entreprises, il y a deux choses quand même qui me chiffonnent ou qui me titillent en tout cas. Première chose, c'est que bien sûr, monter des projets avec les entreprises, notamment pour faire des animations, mettre en relation les autres entrepreneurs les uns avec les autres, ça je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ça peut effectivement motiver les élus, faut les séduire comme si nous étions des fournisseurs et donner du coup, j'ai fait du marketing aussi avant dans une autre vie, donc ça d'accord, sauf que par rapport aux équipes, on manque de moyens humains et faire tout ça nécessite des moyens humains, du coup ça serait sûrement au détriment d'autres animations pour d'autres publics et du coup ça peut un peu nous faire tiquer aussi. Et autre chose, offrir des ressources documentaires pour les entreprises qui rationalisent leurs propres services documentaires. Je me dis peut-être que peu à peu, ça pourrait contribuer à donner envie aux entreprises de rationaliser leurs services, les emplois, etc. Et participer à ça, je sais pas, ça me questionne aussi un petit peu. Voilà. Vous voulez répondre par rapport à ça ? Je me lance. D'accord.
T'as les petits papiers. Cette question, c'est la question des ressources aussi, effectivement. Quand on parlait tout à l'heure de... Enfin, j'aime redire un peu, mais tout dépend du contexte. Effectivement, il y a certaines bibliothèques qui n'auront pas forcément, par rapport au contexte territorial, ce besoin d'aller chercher les entreprises, ou à minima, vous allez placer votre réflexion en fonction de votre structure, des besoins aussi de votre population. Donc, c'est pas forcément tout le monde y va. Enfin, je veux dire, où on réfléchit les ressources. Après, réfléchir aussi le positionnement par rapport aux entreprises, c'est essayer d'aller négocier avec les autorités de tutelle, espérer débloquer un peu plus de ressources aussi. Donc c'est un peu cette logique-là, en fait. Alors je sais, c'est un petit peu utopique, mais bon, on a un congrès d'ABF, je pense qu'il faut qu'on ait... Il faut de l'utopie. Voilà, donc je peux continuer, alors merci. Tout à fait. Non. Travailler dans le sens pour essayer de trouver des leviers de dialogue avec nos autorités de tutelle, je continue, c'est essayer d'avoir aussi des ressources supplémentaires. Travailler sur d'autres, c'est parler économie en fait, savoir quelle est la plus-value économique, on parlait d'impact, il y a des calculs d'impact économique des bibliothèques, c'est ça en fait, c'est aller chercher ces ressources-là. Donc je pense que oui, je suis d'accord avec vous par rapport à toutes les questions que ça pose. Par rapport au centre de documentation au sein des entreprises, alors moi je donnais tout à l'heure l'exemple des ONG à Genève, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec deux d'entre elles. Bon, les bibliothèques, voilà, c'est une bibliothécaire, parce qu'ils ne peuvent pas la renvoyer, je suis désolée, je suis un petit peu dure, mais c'est souvent ça, et dans un espace avec des bouquins, et puis on la pousse un peu, on lui demande un peu si tu pouvais t'écarter de là. C'est un peu caricatural, je suis d'accord, mais c'est un peu ça. Donc oui, effectivement, c'est réfléchir aussi, c'est redonner de l'importance à la question de l'information, redonner de l'importance à nos professions, et du coup, je ne pense pas que ça soit contre-productif par rapport aux documentalistes aussi qui sont en entreprise. Au contraire, mais ça, c'est aussi dans un discours hyper utopique, mais j'ai le droit. Merci. Il est l'heure, il va falloir que... Parce qu'il y a des visites après à enchaîner, et puis il y a un timing à respecter, c'est bien ça, monsieur? Absolument. Oui, donc voilà. Je remercie chaque intervenant. Oui, merci beaucoup. Pour leurs éléments d'information. Voilà. Je vous remercie tous. Voilà, bonne soirée. Effet, mais voilà. Profitez de la ville. Et puis, bon, ceux qui ont des visites, ne ratez pas les horaires des visites. Voilà, et puis si vous voulez poser encore quelques questions, de toute façon, nos intervenants sont là encore quelques instants. À bientôt. Bon congrès à vous.